Depuis 24 ans, je me suis un petit peu baladée partout en France et là j'ai suivi mon mari, on est parti de Paris pour arriver dans cette belle région qu'est l'Ardèche. Et dans l'Ardèche, je voulais créer un concept de salon de coiffure atypique et rien à voir avec les autres. Donc c'est pour ça que j'ai créé Miss Rétro. La fête est née à partir d'un pari un peu fou. On a fait avec mon mari des petites modifications pour l'avoir à notre goût et pouvoir travailler tranquillement et sans souci dedans. Il a été rehaussé avec deux estafettes, on en a fait une. C'était un lourd chantier qui a duré 3 mois. Et voilà, le projet a duré 2 ans quand même pour le monter. Grâce à ce concept, j'arrive à allier ma vie de famille et ma vie professionnelle tout en étant présente sur les deux plans, que ce soit en tant que maman et aussi de vivre de ma passion. Les clients me voient arriver et très souvent viennent par curiosité ou alors ils me croisent simplement sur la route et cherchent à récupérer mon numéro pour essayer de caler un rendez-vous ensemble et pouvoir passer un moment de partage avec eux et tout en ayant le service approprié. J'ai rencontré le camion, j'ai croisé le camion sur un rond-point à Rions, puis je trouvais ça original. Du fait de la disparition de tous les petits magasins et de ce genre de service, d'inverser, c'est-à-dire d'aller dans les villages, c'est quelque chose de fabuleux. Aussi bien du côté humain que pratique. Et je souhaite une longue vie à Miss Rétro. Une fois que les clients ont eu le coup de cœur, très souvent ils reviennent parce qu'effectivement les cheveux ça repousse et ils ont envie de retenter l'expérience une deuxième fois parce qu'ils apprécient. Après, j'ai beaucoup de bouche à oreille et donc ma clientèle se développe comme ça. En plus de mes prestations classiques, je propose des prestations de mariage, donc je me déplace avec le véhicule pour coiffer la mariée et très souvent la famille aussi. Et je crée aussi des ateliers de coiffure afin d'apporter un petit plus à mes clients et de transmettre ma passion.